Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sur le chantier du pont de Béoumi sur le Bandama. Progressivement, le pont prend forme. Ce pont, attendu depuis 43 ans, va redonner à Béoumi son lustre d'antan. Après la visite, le ministre se dit rassuré de l'état d'avancement des travaux. Les populations elles-mêmes voient au quotidien que c'est un chantier qui progresse. Elles ont attendu 43 années pour voir la fin de ce calvaire et maintenant il ne reste que quelques mois à attendre. Et je crois que j'irai dire au président que les populations souhaitent, en plus du pont, avoir le raccordement parce que le pont ne servira pas à grand-chose si pour venir au pont, on n'a pas une route correcte. Les élus et cadres de la région sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République est venu ici en visite d'État. Il a promis de faire ce pont. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et j'ajoute que nous, Ivoiriens, ne savons pas, nous ne mesurons pas assez la chance que nous avons d'avoir un président comme Alassane Ouattara, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. C'est une chance que nous avons, sachons dire merci. Plein de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, plein de reconnaissance vis-à-vis du ministre d'État et de ses collaborateurs, plein de reconnaissance vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire pour la population de Béoumi. Béoumi a pleuré longtemps et rien qu'avoir le pont, avoir le ministre d'État qui se déplace, nous voulons témoigner et dire au président, il l'a promis, il l'a fait, c'est un homme de parole, c'est un homme d'engagement, nous le suivons et ce n'est pas... Le peuple codé ne s'exprime pas au hasard. Les responsables du chantier rassurent quant au respect du délai de livraison de l'œuvre. Il faut dire que dans le cadre de ce projet, on a démarré les travaux au mois de février. À ce jour, avec satisfaction, on note un taux de 55% sur les travaux de Bandama. Et donc, ces travaux, conformément au délai contractuel, on va pouvoir les achever en septembre 2015. Le pont de Béoumi sur le Bandama mesure 243 mètres et se repose sur 28 piliers. Il sera le cordon ombilical entre les régions de Gbeke, du Béré, de la Maraoué et bien d'autres régions.